Ho ho ho! Salut à tous, c'est Capitaine Flamme et aujourd'hui nous allons faire un combat en live de Coliseum. Donc pour première chose, on va s'inscrire, on va attendre en attendant. On va attendre en attendant, bien joué. Donc je vous montre vite fait le stuff comment il est. Pour le moment, il est comme ça, hein. Il est toujours 1 sur 2 au Rogers et j'attends immanquablement le niveau 189 pour pouvoir mettre cette fucking panoquille ici. Ah, il y a un combat qui a été trouvé. Et je vais dire bonjour à mon pote. Voilà. Mirko, pas micro. Alors, est-ce que ça va être ajouté? Donc là, ça va vraiment être en live, donc je sais pas si on va gagner ou si on va perdre. Tout ce que je vois là, la team, ça a l'air pas mal. Je vais vous agrandir ça. Alors, Eni 149, moi 184 et Xel 176. Ouais, Xel 176 apparemment. C'est bon pour le dévou, il me semble. Je regarde vite fait la map comment elle se présente. Ouais. Se dire bonjour. Salut. Oula. Epic fail pour commencer, donc. On m'a déjà donné 2 PA, ça c'est très bien. Donc ce que je vais faire, c'est à mon avis, à partir du tour du Sacri, je vais me mettre en tactique pour pouvoir prévoir mon tour, quoi, parce que vous saviez que, enfin, vous êtes au courant à force de regarder mes vidéos que jouer un roublard, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc je vais faire ça histoire de pouvoir prévoir un petit peu mes actions à l'avance. Mais là, comme c'est le premier tour, il n'y a pas grand chose à faire. Donc on va avancer, on va se faire une maîtrise, une bombe ici, une autre là. On fait un kaboom et on se booste. Et on donne un PA et 150, 140% de puissance. Et on fait un dernier rebours avant de passer son tour et de donner la place à l'Ossa en face. Ah oui, donc je vous ai pas dit en face. Donc c'est Sacri 180 avec 4375 de vie. Donc ça va faire assez mal à mon avis. Un Ossa 136 avec pas grand chose de vie. Donc là à mon avis il va falloir le poney direct. Et un Nini 163. Donc je vais dire à ceux de mon équipe qu'il faut tuer l'Ossa direct. OS l'Ossa. Alors si je peux faire un rouble à botte, sinon je me rapproche vite fait, mais ça va pas être évident. Comment? Si je me mets là, j'ai la diagonale pour le taper. Non, le truc, il faut que je me rapproche du cac le plus rapidement possible en fait. Si je vais par là, que je me fais une bombe pour me transpo, il y a peut-être moyen. Mais bon, je risque de me faire massacrer, mais c'est pas grave. Là, est-ce que là je suis en face? Non, je vais plutôt aller taper les nids, je pense. Le Xel a pas mal joué. Ouais, il a bien fait. Il ralentit le paquet. Il va essayer de légumiser un peu tout. Et oula. C'est au marteau oracle qui fait vachement mal. Donc à mon avis le sacri va aller sacrifier l'ossa, hein. Ou à moins qu'il les laisse crever, ça je sais pas. Je ne sais pas, on va bien voir. Voilà, il sacrifie. Alors le sacri au marteau oracle, il réduit vachement bien notre Xel, hein. Je crois que c'est mis en momie. Ouais, c'est mis en momie, je pense. Non, il est sous préve en fait.
Alors, lancement tactique. Voilà, normalement je devrais avoir assez de PM pour taper les nids au cac. Et on passe son tour, voilà. Donc j'ai pu me ram... Le truc à mon avis, il va falloir c'est tuer les tout le monde le plus rapidement possible avant que les ennemis puissent soigner. Tandis que notre ennemi va rester à l'arrière à mon avis. Mais je sais pas pourquoi il fait ça, parce qu'il va le debuff, mais je vois pas l'intérêt. Ah ouais, c'est 4 tours. Ah ouais, j'avais oublié ça. Bon bah tant pis. Faudrait que notre ennemi avance là, faudrait qu'il ait un bon CAC 4 PA. Baguette ordonne. Je connais pas. Ah si, c'est une baguette qui donne un PM en plus. Ça tape de rien. T'aurais mieux fait de me soigner ou de me booster ou je sais pas quoi, mais taper comme ça, ça pas être... enfin, c'est pas si bien que ça. Donc, mode prévention de l'ennemi en face. Ça va être chiant par contre. Moi, je vais commencer à jouer bon. Bon, il me tape un petit peu. Par contre, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'on voit pas. Attendez, hein, je regarde. Un fichier. Voilà. Je préfère parce que j'aime pas quand on voit pas les scores. Il est où? Faudrait que j'arrive à rapprocher le Sacri et l'Ossa. Et que je puisse taper les deux en même temps. Essayer de bloquer Eni pour pas qu'il soit un Sacri. Il est où l'Eni? Là. Ouais. Comment il va faire? Ouais, bah non, on tape de rien. Arrête! Je sais ce que je vais faire. Je vais faire un pulsar. Je vais foutre deux bombes autour de lui histoire qu'il sache plus bouger. Pas vu. Alors. Là, je vais faire. À moins qu'il me retire tout avant, mais s'il y a moyen, je vais faire une aimantation. Je vais aller taper les deux. Non, ça va pas être possible. On va bloquer les nids là. Voilà, deux bons coups de Roger sur le Sacri. Ouais, bah, je crois que les nids là est bloqué. Bon, je vais pas bouger. Parce que s'il pousse le truc, ça devrait pas aller. Y a moyen que tu me prêtes pour acheter Banotorogène. J'ai 189 pour revendre le tutu parce que là j'ai plus une thune, désolé. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Invocation du presse-pique. Non, j'aime pas ce truc-là. Alors comment ça se présente ici? Faudrait que je puisse aller me mettre là. Faire une transpo avec ma bombe, alors là je déclencherai le mur de bombe, ça commence à faire vachement mal. Je regarde où il est le nôtre. Ouais, le nôtre il soigne bien. Retourne au cac. Là. Au cac, putain. Au cac, voilà. Je sais bien qu'il m'entend pas, mais bon. Lapinox s'amuse à ram. Ah. Oh non! Bah, tue ma bombe, c'est pas grave. Allez! Il sait pas trop quoi faire, il se dit soit je tue sa bombe, mais je saurais quand même pas le soigner. Ils vont me rebloquer après, donc ça sert à rien. La seule chose qu'il reste à faire, bah, c'est de se soigner un minimum, parce que. Lui, il est dans la merde. Dans un tour, si on arrive à le bloquer comme ça, c'est
pas mal. Attendez, je réfléchis. Qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, il va ralentir le sacré un maximum, à mon avis. Ouais, voilà. Parce que là, il s'approche dangereusement de sa punie et il a trop de PA, à mon goût. Aïe, 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 ça va sans la punie, ça pue. S'il vient à mon corps à corps, je suis dans la merde. Je pense pas qu'il va pouvoir le faire, mais... S'il vient, je suis perdu. Oh non. Ouf, je ne suis pas mort, à moins qu'il me finisse. Yes, je ne suis pas mort. Qu'est-ce que je fais? Ouais, le tout pour le tout, hein. Je tape le sacré. Ouais. Bon, c'est pas trop mal. Faudrait que notre ennemi puisse me... c'est à qui après? C'est à notre ennemi. Donc à moins que l'Ossa me tue, il y a moyen qu'il me fasse une reconce. Mais je pense que l'Ossa va me tuer. La gâteau, c'est un os à eau apparemment, j'avais pas fait gaffe. Donc voilà, je suis mort. Je vais vous mettre ça pour qu'on voit bien ce qui se passe. Alors moi je suis mort. C'est malheureux à dire, mais il n'y a que en tactique en fait qu'on voit bien ce qui se passe. Là, je pense que ça devrait être bon. Logiquement, notre Eni devrait le finir. Je pense. Ah non, il va le reconce, putain. Qu'est-ce qu'il fait? Faudrait qu'il puisse le bloquer. Est-ce qu'il aura 7 PM? Non, il saura pas le reconce, logiquement. À moins qu'il le pousse. Non, c'est bon. 100%. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Lini va le pousser. Et non. Très mal joué de notre part. Et voilà, il va reconce le sacré. Et on est dans la merde! Là, c'était bien parti. C'est con que. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il peut pas le reconce? Ou alors il s'est trompé. C'est bizarre. J'ai pas tout suivi. J'ai pas vu s'il avait reconce ou quoi avant. Je regarde vite fait. Punition, non, non, non. Ah non, il a pas reconce. Pourtant, je vois pas pourquoi il a fait ça. Enfin, c'est pas trop grave. Normalement, il pourrait pas faire de deuxième puni, mais par contre, il va se faire plaisir sur notre ennemi, par contre. Non, te mets pas là, il va taper en zone. Enfin, je sais même plus, il a quoi au cac le sacré. Mais voilà, hein, c'est mal joué, hein, les gars. Qu'est-ce que vous foutez? Mais voilà. Hein. Après, vous étonnez pas qu'on perde, hein. Même s'il y a moyen de gagner, il me semble. Je suis pas sûr, mais s'ils jouent assez bien, il y a quand même moyen. Parce que si les nids soignent bien et qu'ils arrivent à tuer l'autre ennemi à ce tour-ci, ça devrait être bon. Il n'y a plus que 600 de vie. Bon. Tape, 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 tape. Tu fais un mode frayeur et tu tapes. Oh là là! Ah bah l'Ossa il se fait plaisir, il a pas beaucoup de vie mais il se fait plaisir. Bon. Frayeur le sacré. Et... Sur les nids. Allez, fais ce que je te dis. Mais non! Bouge-toi! Faut laisser la place pour le Xel. Mais putain qu'il est con!
Et le Xel, il tape comment maintenant, imbécile? Réfléchis, hein, ben voilà, prends plein ta gueule. Hein. Et tu vas crever autour du sacré maintenant, super bien joué. Bravo les gars, au lieu de faire ce que je te disais, le Xel l'aurait fini, c'est pas pour 400 de vie que voilà, enfin. Voilà, à moins qu'il arrive à se téléporter, mais je pense pas. Ben non, mais voilà, c'est fini, hein. Non, l'ossa va se faire plaisir, il va maquer dedans, notre ennemi va crever avec le sacri. Et ils auront tous 400 de vie, on va rester là comme des cons, et ça me fait chier parce qu'on a encore perdu. Et voilà, hein, toujours tomber avec des noobs qui savent pas jouer, mais voilà. Hein. Alors qu'ils avaient bien commencé, enfin je sais pas, vu la compo qu'on avait, il y avait moyen. Mais je sais pas pourquoi, déjà premier tour il fait une prévention sur notre Xel, je vois pas pourquoi il a fait ça. Super intelligent, bravo les gars, franchement. Magnifique, désolé de faire mon rageux, mais là franchement ça commence à être lourd. Allez, l'autre sac qui se fait plaisir. Ça tape pas mal en fait cette pelle au gâteau là. Il avait pas beaucoup de vie, voilà, il est à plus de la moitié de sa vie depuis le début du combat, y a personne qui a réussi à le tuer. Allez, les invoques. Allez, l'autre ennemi va arriver. Boum, bim. Et en plus, il se déco. Tout va bien. C'est des noobies. Allez, finis-le. Allez, voilà, merci. Oh là là, c'est pas possible. Je gagnerai jamais un combat, c'est pas possible. Ah là là. Bon ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé si on n'a pas gagné, si j'ai un peu ragé à la fin, mais bon. C'est parce qu'il fallait bien. J'espère que bah, vous avez apprécié la vidéo, hein. J'ai un petit peu changé de façon de jouer, on va dire. Je parle un peu plus facilement, je rage, je fais mes petits bruitages à la con, enfin voilà. J'espère que vous allez vous abonner à la chaîne, si vous ne l'êtes pas encore, ou faites tourner la vidéo à vos amis. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut à tous!